Allô! Dimanche, je suis à l'atelier, il pleut. Je m'en viens créer. En fait, j'ai quelques projets en cours, puis l'expo qui s'en vient dans même pas une semaine. Donc, bien relax, je vais préparer des canevas pour des grosses œuvres que j'ai à faire, donc des abstraites, terminer certains projets qui sont en cours en ballet des œuvres. Fait que grosse journée, donc ça commence maintenant. Donc je commence mes œuvres pas mal tout le temps, tout ce qui est un peu plus grand format sur du canevas roulé. Ça me permet deux choses, d'avoir un, contrôle du format en entier, puis deux, de la qualité de la toile aussi. Donc, je peux aller chercher une toile qui est plus épaisse, plus de qualité. Dans ce cas-ci, je vais travailler avec un canevas qui est déjà prime, fait qu'il y a déjà comme du blanc. Je vais quand même en rajouter pour vraiment sceller le coton, pour pas que ça boive trop, puis avoir le blanc que je veux. C'est un blanc qui est généralement un peu chaud. Fait que j'aime aller avec un blanc qui est un peu plus froid, du moins pour ces œuvres-là à venir. Donc, je vais travailler avec ça. First thing first. La partie que je déteste. Fait que j'utilise un petit exacto, ça marche un peu mieux des fois.
c'est un rouleau comme ça. Donc, naturel de ce côté-ci. Donc, bordel pré-expo à l'atelier. Donc, on va se mettre comme ça ici pour vous montrer un petit peu plus. Donc là, en fait, ce que j'ai besoin, c'est d'un 30 par 30. Donc, je m'assure de laisser le 2 pouces ici, puis un autre 2 pouces pour pouvoir aller le wrap derrière la toile, puis vraiment le tendre sans trop de difficulté. Fait que pour un 30 par 30, je mesure un extra 8 pouces de chaque côté. Fait que je vais aller chercher un 38-38, puis je suis un peu lazy, fait que je me prends un canevas qui est déjà monté, puis j'y vais comme ça. Que je vais à peu près ici me donner un autre 2 pouces, ce qui m'amène à peu près ici.
Donc là, je vais faire un 36-60. Donc, je vais couper tous mes matériaux. Puis, dans un prochain cours vidéo, ben, je vous montre un peu le processus quand c'est un peu plus intéressant que juste me voir couper. Mais ça fait vraiment partie du processus complet, en fait, de faire tout ça. Donc, ouais, je passe beaucoup de mon temps qui est comme en préparation de pouvoir créer. Donc, tout ça, préparer les canevas, couper, emballer, it's daily life. Fait que, peace out, puis à bientôt!